Bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux du 15 au 21 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, comme vous le savez, elle va bientôt être clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle, enfin le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs, l'oracle des contrats d'âme, pardon, l'oracle des médeurs et ensuite l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes, donc ce sera un tableau général puisque comme vous pouvez le voir, je suis blessée, donc je dois mettre ma main au repos. Donc je vais essayer de faire un tirage plus simplifié afin de ne pas trop utiliser ma main. Donc, on va pouvoir commencer. On y va. C'est parti. Donc, on commence avec vos messages donc, de la semaine du 15 au 21. Donc, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Hop. Donc, pour les Verseaux, ascendant, lunaire, vénusien, le premier message. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je te fais vivre, si c'était à refaire, je le ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Alors, ensuite, prisonnier ou prisonnière de ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un petit peu de temps. Peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Et le petit dernier, donc on y va. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Ok, donc on a quand même une évolution au niveau des messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc c'est parti. On va bien sûr aller voir à la coupe les énergies dominantes pour vous, les Verseaux du 15 au 21. Alors, on y va, c'est parti. Alors, les Verseaux, on a la carte retour hein, qui vient, le retour d'un homme. D'accord, quelqu'un avec qui il y avait une projection, mais cette personne a du mal à se regarder dans le miroir. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Verseaux, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Alors, je vais décaler ça. Hop, voilà. Ok. Non. Hop. Voilà. Alors, c'est parti, on commence. Eh bien, on revoit ce retour, hein, ce retour qui est là, qui est annoncé. Encore la projection, ok. Donc, moi, j'ai quand même une personne hein, du passé
qui revient vers vous. Donc, on peut parler d'une personne d'un passé lointain ou d'un passé proche. C'est quelqu'un qui ne se projetait pas forcément avec vous. On peut avoir aussi cette personne qui se regarde hein, dans ce miroir et qui culpabilise, qui a honte. On me parle d'une personne plus jeune ou personne immature. Il y a peut-être également une différence d'âge aussi, hein. Donc, pour moi, on va avoir quelqu'un qui a été peut-être immature avec vous et qui, là, se rend compte un petit peu de ses actions, hein. De ce qu'il s'est passé, on vous dit bien que le fait que cette personne soit en travail d'introspection va être positif, puisque vous allez avoir un visuel, et pour moi, cette personne va quand même avoir des explications, hein. On a quelqu'un qui culpabilise, quelqu'un qui s'est protégé, j'ai envie de vous dire, on a une personne qui s'est protégée, on parle d'une personne étrangère, avec des origines étrangères, une personne qui ne vit pas dans la même ville ou dans le même pays que vous. On peut également me parler de différences, ça peut être de religion, de milieu social, une différence d'âge importante quand même. En tout cas, il y a ce retour. Alors attention, pour l'instant, je ne parle pas forcément en retour amoureux. Pour moi, il y a une certaine distance qui s'est créée, donc ça peut être une distance physique, géographique ou émotionnelle. Il y a ouais, on a mis de la distance. Pourtant, pour moi, vous avez un lien plutôt familial ou amical très proche. Donc, on ne parle pas forcément d'amour ici. Mais il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose avec cette personne et qui fait que maintenant, cette personne culpabilise ou vous culpabilisez vous par rapport à cette personne, hein. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Alors, pour les Verseaux, ascendant. Lunaire, vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Hop, ok. Donc on va aller voir en dos avant de retourner les autres cartes. Donc effectivement, moi j'ai quelqu'un qui a été trahi, qui vous a trahi ou qui s'est senti trahi et qui a fait qu'il ou elle s'est replié sur lui-même ou sur elle-même. Mais finalement, ça lui permet de, pour moi, d'ouvrir les yeux sur une potentielle rupture qu'il y a eu, d'éclore hein, sur son instabilité. Donc on voit bien que c'est cet homme qui a été instable. Et finalement, on choisit de construire, on a envie de construire ici. Donc il y a un retour à l'évolution qui va se faire avec du temps. D'accord? Donc c'est bien pour vous là les Verseaux. Donc je ne dis pas que c'est cette personne qui va revenir. On vous dit hein, qu'il va y avoir un retour à la stabilité et avec le temps, les choses vont se mettre en place. Alors, par rapport au retour, bon, vous espérez peut-être le retour d'une personne. Pour moi, c'est plutôt ça. Je pense que vous êtes plutôt dans l'espoir qu'une personne revienne vers vous. Peut-être une personne avec qui il y a eu ce côté charnel, avec qui vous avez connu beaucoup de joie. Il y a du changement, hein. Vous allez retrouver votre sérénité par rapport à cette personne. Vous allez retrouver votre sérénité. On voit ici hein, qu'il y avait de la passion, mais pour moi, voyez, on pense que je pense qu'on a essayé de rendre jalouse une personne avec qui on était engagé. Et en fait, on a laissé le rêve, entre guillemets, le côté un peu théâtral, histoire remontée, qu'il y avait possibilité qu'il y ait eu une trahison. Donc, j'ai une personne qui culpabilise hein, quand même par rapport à ça. Cette personne travaille, se protège, se protège. C'est quelqu'un qui se protège, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a l'espoir d'avoir une seconde chance, mais ça prend du temps. Ce cadeau arrive, mais avec du temps. Alors c'est peut-être vous, hein, vous remettez dans votre contexte, mais j'ai une personne qui espère, malgré qu'il y a eu trahison, qu'il y a eu peut-être infidélité ou rivalité, c'est peut-être vous qui avez été le ou la rivale, on s'est peut-être servi de vous pour rendre jaloux une tierce, et maintenant c'est vous hein, qui devez retrouver votre sérénité, donc de prendre du temps pour retrouver la joie, le bonheur, et pour moi il y a une autre personne qui culpabilise aussi, hein. D'accord? Alors, on va les recouvrir sur le rêve. Qu'est-ce qu'on a? Hop, je mets comme ça. Pour les Verseaux, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Ok, alors, je replace un peu mes cartes correctement quand même. Alors,
Donc, on a le bonheur hein, qui arrive pour vous, là, les Verseaux. Mais finalement, en fait, j'ai quelqu'un qui est indécis. Donc, c'est peut-être vous, vous êtes peut-être indécis ou indécise. Vous ne croyez peut-être pas à cette rupture. Mais on vous dit, finalement, vous allez retrouver ce bonheur. Hein. On vous dit que vous devez guérir des traumas pour retrouver une alchimie dans votre vie à vous. Donc, pas par rapport à cette personne que vous espérez qu'il ou elle revienne, mais par rapport à votre vie à vous. Vous devez retrouver votre propre sérénité, apprendre à prendre des décisions, parce que c'est là qui est le blocage karmique, c'est que vous avez du mal à prendre des décisions et peut-être même à assumer vos choix finalement. Il y a une rencontre forte pour moi avec une personne avec qui vous avez une vie antérieure. C'est une personne avec qui vous avez rompu, avec qui il y a une rupture peut-être de contact, de visuel. En tout cas, vous aviez un lien de vie antérieure avec cette personne et on vous dit qu'il y a une union sacrée. Ok, on parle d'une autre personne. D'accord, pour moi, il y a l'union sacrée avec une autre personne avec qui il y a eu un éloignement. Donc, il y a une tierce. Hein. On voit qu'il y a une rencontre forte dans l'histoire. Donc, pour moi, qui est avec la tienne, je pense. Hein, il y a une rencontre forte avec une tierce qu'on a rompue avec cette personne pour aller avec vous. Mais pour moi, vous étiez peut-être un des traumas. Alors, attention. Voilà, on parle de libération de blocage. Il y avait peut-être quelque chose entre vous et votre autre, finalement a été dans une évidence pour moi avec une tierce. Il y avait une tierce, hein, on me le donne ici, hein, c'est quelqu'un qui a voulu s'éloigner d'une tierce avec qui il ou elle était en union sacrée. Donc pour moi il y avait de la sincérité, hein, il y avait beaucoup de sincérité, peut-être que cette personne était persuadée de pouvoir oublier la tierce, et finalement non. Donc on agite un peu le drapeau blanc, on demande la paix. On se recentre. Ouais, il y avait le contrat d'âme de trahison ici, hein, à travailler. Oui, il y avait l'osmose hein, avec une tierce. Voilà, vous étiez un passage hein, dans la vie de cette personne. Vous étiez un passage. C'est quelqu'un qui était obligé de passer par cette étape pour faire travailler justement le trauma de trahison. Donc, on vous dit vous allez réussir à surpasser ces problèmes, à prendre votre indépendance, à sortir peut-être même de la dépendance affective. Moi, il y a quand même une personne qui va avoir un besoin de reconnexion, donc soit avec vous ou soit vous avec une autre personne. Et on vous dit d'être patient ou patiente parce que pour moi, vous allez rencontrer votre moitié d'âme. Vous avez des choses à apprendre. Pour moi, c'est apprendre la sagesse par rapport à une relation qui a été un petit peu houleuse, une relation où il y avait peut-être de l'amour, mais pas une évolution au même stade. Pour moi, vous étiez l'âme sœur. Vous voyez, vous étiez l'âme sœur. Vous deviez pousser cette personne au bord du précipice pour qu'il ou elle puisse évoluer et qu'il ou elle puisse retrouver son véritable chemin. D'accord ? Donc, pour moi, votre relation n'était pas anodine avec cette personne. D'accord ? Alors, il va y avoir une osmose hein, pour moi, mais avec une autre personne qui vient dans votre vie. Vous êtes obsédé hein, par une personne avec qui vous avez rompu. Et pour moi, il y a quand même une seconde chance qui va arriver. Une seconde chance pour vous. Pour moi, il y a une union sacrée également pour vous qui arrive, mais peut-être pas avec la personne à qui vous pensez, d'accord, avec qui vous avez rompu. Donc, il y a des problèmes par rapport à une tierce. Donc, effectivement, hein, la tierce, eh bien... le problème était la tierce, puisqu'on vous dit qu'il y a la paix avec cette personne. Hein. Votre hôte demande la paix à cette personne. Hein. On se libère des blocages pour être heureux. Donc, il y a des traumas hein, à dépasser pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer et retrouver quand même la sérénité hein, dans sa propre vie. Hein. Ouais, vous allez apprendre à vous recentrer sur vous, là, hein, les Verseaux. Ouais. Donc, c'est plutôt pas trop mal parce que du coup, vous êtes passé par une étape où vous aviez des choses à apprendre pour libérer une situation. OK ? Alors, on va aller voir avec l'oracle des Médéores pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, pour les Verseaux, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, c'est un petit peu plus compliqué à étaler ces cartes-là.
Ben, celle-ci aussi, on va la prendre. Hop. Ok. Alors, moi j'ai une personne qui travaille. D'accord, on a une quelqu'un. Pour moi, vous devez travailler sur le pardon là. Moi j'ai une personne qui souffre physiquement quand même, hein. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être votre hôte. Il y a une personne qui souffre physiquement, peut-être la dépression, hein, le burn-out également. Parce que vous devez apprendre à pardonner. Donc, à vous pardonner, à pardonner à votre hôte, à la personne qui vous a trahi, aux personnes qui vous ont fait du mal dans votre vie, pour pouvoir avancer. Parce qu'on voit bien ici qu'il y a de la rancune, hein, par rapport à une dispute. Pour moi, voilà, c'est votre enfant intérieur qui est touché. Donc, vous devez apprendre à pardonner, que ce soit à vous-même ou à votre hôte, par rapport à des disputes, à des séparations, qu'il y a eu. On voit qu'il y a de la rancune entre vous et la personne de votre cœur, mais ce pardon va vous amener justement à vous apaiser. On vous dit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui travaillent, que ce soit physiquement ou mentalement, alors que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Donc, il y a un passage à l'action, il y a quelque chose à faire par rapport peut-être à un projet. Pour moi, il y a une réconciliation. Alors, attention, parce que la réconciliation n'est peut-être pas forcément avec votre autre, mais avec vous-même. Donc, pour moi, c'est une réconciliation, vous voyez, hein, la réconciliation avec votre enfant intérieur. Et on dit, vous avez la réponse en vous déjà. Donc, par rapport aux rancunes, c'est peut-être des rancunes que vous avez, vous, envers vous-même. Et pour moi, vous devez vous réconcilier avec vous-même et vous pardonner vous-même, d'accord, avant de vouloir pardonner aux autres. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? Donc, on a quand même le troisième œil qui va se débloquer. Pour moi, vous allez quand même comprendre beaucoup de choses là. Je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez voir des choses qui pour vous, vous n'aviez peut-être pas vu avant. Et là, ça va vraiment vous paraître évident. Quand vous allez voir ces choses-là, ces signes, ça va vous paraître évident, hein. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons en dos? On a le ralentissement. Vous voyez, vous allez prendre conscience. Pour moi, vous avez mis du temps à prendre conscience de certaines choses. Et là, vous allez prendre conscience. Donc, il y a une grosse avancée karmique parce que du coup, vous allez faire un nettoyage profond. Et on vous dit bien qu'il va y avoir l'abondance. Vous devez lâcher prise parce que vous allez avoir l'abondance, la richesse. Et on vous dit que vous allez vous libérer d'un blocage qui va vous amener la sérénité, la stabilité. Et pour moi, vous allez sortir, hein, sortir des jugements. Vous allez arrêter d'être dans le jugement par rapport à votre autre. D'accord? Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, pour moi, il y a un message à venir. On vous dit de lâcher prise, de ne pas être dans l'attente. D'accord? On vous demande d'accepter, de lâcher prise, ne pas être dans l'attente de quelque chose de la part de votre autre. On vous dit que c'était une rencontre forte, mais vous devez prendre confiance en vous, hein, par rapport à cette rencontre, parce que c'est une rencontre qui n'était pas anodine. Et on vous dit bien ici que le fait de lâcher prise va vous amener des retombées positives, pardon, dans le mois en cours. Donc, on vous dit de reprendre confiance en vous par rapport à cette rupture, parce que pour moi, il y a des choses qui vont arriver. Donc, encore une fois, il y a un événement proche ici. Donc, il va y avoir quelque chose de rapide qui vient, même si les choses peuvent paraître lente, voire en train de stagner, on vous dit qu'il y a des choses positives qui arrivent. Donc, pour moi, vous êtes en combat avec vous-même ou peut-être avec cette personne dont je vous parlais tout à l'heure et on me dit bien, hein, il y a eu de fausses paroles, il y a eu du mensonge. On a été en combat. Alors, c'est peut-être comme si vous aviez fait quelque chose de théâtral pour rendre jaloux quelqu'un et vous y avez cru ou votre autre y a cru, alors que non, c'était vraiment pour faire du mal à quelqu'un ou pour blesser une tierce. Donc, pour moi, c'est ce que j'ai, c'est ce que je ressens. On vous dit que les choses sont en train de stagner parce que du coup, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Tous les deux, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Donc, on voit que cette rupture vous fait mal, vous blesse, mais a blessé votre hôte aussi, mais dans un autre sens. C'est l'ego qui a été touché de votre hôte là, hein, par rapport à cette histoire. Moi, c'est ce que j'ai. Pour vous, il y a des retombées positives quand même, hein. Vous n'étiez pas le vilain petit canard de l'histoire. Vous étiez une étape à passer. Enfin, c'était une étape que vous deviez passer, que ce soit vous ou votre autre. C'était une étape que vous deviez passer. Tous les deux, parce qu'il y avait des choses à apprendre par rapport à cette histoire. Donc, on va aller voir avec l'améthyste. Alors, Verseau ascendant,
Lunaire, vénusien, oups. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les réseaux sociaux. Alors, on va... Je vais avoir un petit peu plus de mal parce qu'il y a plus de cartes. Hop. Allez, on y va. Donc, pour les Verseaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Ok, allez, on y va. Alors, dans la prise d'indépendance, pour moi, il y a un détachement à faire, hein. Donc, on parle de la personne. Alors, on parle d'un détachement à faire par rapport à une personne, soit Cancer, Lion, Vierge ou Bélier, Taureau, Gémeaux, ou soit on me parle d'un détachement à faire par rapport à quelque chose qui se serait passé sur la période de l'été et où on vous dit qu'il y a une renaissance. Pour moi, il y a eu un événement sur la période de l'été qui va vous amener une renaissance de vous-même ou de votre autre. Pour moi, vous allez trouver l'ancrage, vous allez sortir de la dépendance affective et vous allez avoir des choses qui vont avancer. Il y a des choses qui vont bouger pour vous, là, les Verseaux. Donc, on vous dit que le timing divin met les choses en place, bien qu'il y ait un manque, d'accord? On vous dit qu'il y a une transformation. Pour moi, il y a une personne, Bélier, Taureau, Gémeaux, qui avait une peur d'abandon. Et cette personne va faire un travail de ok, il y a une réconciliation et il y a une transformation. Donc effectivement, il y a des choses qui vont bouger. Par rapport à ce trauma de trahison, on a quelqu'un qui est muré dans le silence finalement. Vous devez prendre confiance en vous et vous détacher finalement de cette personne ou de ce trauma d'abandon. Donc réconciliation également avec vous-même, encore une fois. Parce que c'est là où les choses vont bouger finalement. Donc, par rapport à l'indépendance, voilà, on a le succès qui est là. On vous dit que tous les espoirs sont encore permis. Les choses bougent. Vous devez être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre âme, à l'écoute de votre cœur. Et on vous dit ici, hein, vous devez être à l'écoute de votre cœur par rapport à une liaison qui a été cachée. Donc, pour moi, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, je vous le dis. Pour moi, vous avez été une tierce dans un triangle. Donc, il y a eu beaucoup d'instabilité. Vous avez été déstabilisé peut-être par l'apprentissage de l'autre, hein, de la tierce. Et on vous dit hein, qu'il y a eu de la malhonnêteté. Pour moi, il y a eu beaucoup de malhonnêteté. On s'est servi de vous peut-être pour faire du mal à quelqu'un ou pour vous faire du mal. Je ne sais pas dans quel contexte vous êtes. Mais en tout cas, on s'est servi de vous. Alors, soit vous étiez la tierce ou soit vous étiez la personne à qui on voulait faire du mal. Alors, ensuite... On avait ce sentiment de rejet, hein, cette peur de rejet, cette peur d'être rejeté. Donc, pour moi, il y a un travail à faire hein, sur le rejet, la trahison et l'abandon. Pour moi, on a gardé secret une liaison avec une personne avec qui il y avait de la bienveillance, avec qui, pour moi, il ou elle était en crise. Donc, c'est pour ça qu'on me donne la réconciliation et on me donne une tierce. Pour moi, on va avoir une communication, hein. Pour moi, vous allez savoir les choses, en fait. Je pense que votre autre va vous avouer les choses ou il y a une communication qui va reprendre parce que peut-être vous étiez déjà au courant. Si toutefois, c'était un jeu ou un mensonge, effectivement, on va voir les choses qui vont changer. Donc, on vous dit de reprendre le contrôle de votre vie, de faire un travail de guérison. Pour moi, vous avez une belle protection sur vous quand même, hein. D'accord, on vous dit bien hein, que cette personne-là, vous êtes dans l'attente de cette personne qui a été malhonnête avec vous. Mais pour moi, non. J'ai pas de retour, j'ai une réconciliation. Mais cette réconciliation, je pense que c'est avec vous-même parce qu'on me donne le trauma de trahison et le trauma d'abandon et de rejet. Donc pour moi, c'est un travail à faire sur vous-même. Hein. Donc voilà, il y a eu cet événement qui a été injuste. Pour moi, pour vous, vous avez pris ça comme une injustice. Mais justement, en fait, c'est pour réveiller ces traumas-là qu'il y a eu cet événement finalement, pour que vous puissiez vous libérer de votre passé, de ces traumas. Donc vous voyez, on a quelqu'un qui a été un petit peu superficiel, une personne qui a joué un petit peu avec vous, qui a joué peut-être même avec vos sentiments. Mais on vous dit que vous devez rester fort ou forte parce qu'il y a une protection sur vous. C'était une des étapes que vous deviez passer dans votre vie pour pouvoir évoluer. Hein. Pour moi, c'est ce que j'ai. Donc vous voyez, il y avait une tierce. Enfin, il y avait une tierce.
Il y avait déjà quelqu'un dans la vie de cette personne. Donc, on voit, pour moi, voyez, cette personne était en colère contre la consultante ou le consultant, et s'est vengée, entre guillemets, avec vous. D'accord. Donc, ouais, on parle d'un lien de famille, hein, un lien proche. Il y avait peut-être une attirance physique. Pour moi, je pense, hein, que oui, cette personne était en colère contre, la consultante ou le consultant. Et en fait, c'est quelqu'un qui a vraiment voulu, qui a été sincère, entre guillemets, avec vous en pensant qu'il ou elle pouvait oublier la personne de son cœur avec vous. Bon, il y a des choses qui ont été faites de façon impulsive par rapport à cette personne, hein. Donc, bon, on voit quand même que cette personne regrette, hein, c'est quelqu'un qui regrette s'être servi de vous finalement. Donc, on peut avoir un retour à la communication, à faire table rase un peu du passé, et peut-être même une réconciliation. Mais pour moi, vous deviez passer ces étapes-là pour vraiment avancer dans votre vie personnelle, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous étiez obligé de passer par là pour réveiller des blessures de trahison, d'humiliation, d'abandon, de rejet ou d'injustice pour travailler dessus, pour que vous puissiez vous sentir mieux. Donc, ce n'était pas une rencontre qui était anodine, ce n'était peut-être pas une rencontre qui était faite pour durer. En tout cas, je pense qu'il y a une personne qui va vous avouer ses remords, ses regrets, peut-être même un pardon qui arrive, parce que c'est quelqu'un qui est enfermé dans cette toxicité. Donc, on me parle de la période de l'automne. Pour moi, il y a un déplacement qui se fait. Vous étiez l'âme sœur de cette personne, hein. Donc il y a eu une pause dans la vie, dans votre vie ou dans la vie de cette personne pour aller vers vous, pour être ensemble. On vous dit que c'était une relation qui était karmique, pour amener votre hôte à faire un choix par rapport à une personne qu'il ou elle a ghosté, avec qui il y avait un schéma répétitif et surtout avec qui il y a eu, pour moi, il y avait un amour véritable, mais on a humilié un peu cet amour véritable. Ouais, on est dans le déni, hein. On ne veut pas, on refuse le bonheur et pourtant on a envie d'une seconde chance là. Donc ça peut être vous, ça peut être votre hôte, ne l'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et n'hésitez pas à replacer dans votre contexte, dans votre histoire, puisque l'histoire peut être complètement différente selon les personnes. Si vous étiez la tierce, la consultante ou le consultant, les choses peuvent être complètement différentes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très très bientôt, hein, pour la suite des guidances du mois de janvier. Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne année 2024. Bisous!